Salut YouTube, on est toujours sur Horizon. Dernière fois on avait fait toutes les, tous les ateliers de chasse là, je sais plus comment ça s'appelle, pas les ateliers mais... j'ai failli cliquer sur nouvelle partie, alors là je... je me la coupais hein. Ah je me la coupais en live. Hein. Donc la dernière fois on avait fait toutes les épreuves de chasse, c'est ça. On avait eu du coup des nouvelles armes. Mais que j'ai pas trouvé beaucoup plus fifoles que les armes de l'ombre. Mais on a eu des nouvelles armes. Et là, faut qu'on devienne membre à part entière du collectif chasse, pêche, nature et tradition. Ce qui ne me... j'ai pas trop envie, mais bon, c'est dans le jeu, dans le lore, c'est ok. Et voilà, faire fermer la gueule des vieux mâles là, qui nous disent de toute façon, on est nul et on sert à rien. On va bien leur prouver que c'est des connards. Ça va être parfait. Et donc, les quêtes, partie de chasse, voilà. Alors, 3 dents de scie, 2 ravins. Ah mais je les ai eus. En fait, il n'y a pas besoin de les faire forcément là où ils nous disaient. En fait, il fallait juste buter des ennemis. C'est trop cool. Parce que les ravageurs, je les ai eus, oui, sur le truc de chasse. Et puis, ouais, j'ai eu un tracker aussi, quoi. Donc, il me reste que les deux, les 3 dents de scie. En plus, les dents de scie, maintenant... Les dents de scie, j'en bouffe 15 au petit-déj maintenant, les dents de scie. Là, c'est des dents de scie, du coup. Ouais. Et là aussi. C'est tracker, par contre, je pense. Je vais aller où pour les dents de noix? Ouais, non, mais on va aller là. Hein. Si je me mets là, là, c'est des galopeurs à côté, on s'en fout. En plus, il y a un marchand. Il y a un marchand. Non, je l'ai. Non, je l'ai. Ouais, ça l'a ouvert le marchand. Bon, allez, let's go. Par contre, il va faire nuit. Il va faire nuit et j'ai le soleil en pleine tronche. Donc, normalement, je vais rien voir. Je vais être globalement complètement aveugle. Alors c'est parti pour les dents de scie. Je garde ça pour plus tard. Qu'est-ce qu'il est bien le jeu. On va ramasser des petits trucs, des bâtons. Ça fait longtemps que j'ai pas ramassé de bâtons. D'ailleurs, en parlant de ramasser des bâtons, n'oubliez pas que c'est le September. Hein. Les subs sont moins chers. Ça pourra me servir. Ils sont où? Attendez, renard. J'ai pas du renard à pécho aussi. Mais reviens, tombe. Je vais devoir abandonner autre chose. Il me semble que j'ai le sanglier. Ah, regardez, Dancy là-bas. Que je vais y mettre. Voilà. Et de 1. Et l'autre il est où? Il est là. Là, il voit que son copain est plus là, donc il se pose la question. Pourquoi mon copain il est plus là?
Eh bien parce que je lui ai cassé la gueule. Exactement comme je vais te faire à toi. Aïe. Sauf si tu me casses la gueule avant, évidemment. Coucou Chrisou, tu viens découvrir le jeu. Le mec, c'est ça, je viens de commencer et ça se passe plutôt pas mal je trouve, hein, pour un début de jeu. Ça a pas l'air passionnant pour toi par contre, hein. Je suis pas sûr de passer vraiment beaucoup de temps sur le jeu parce que ça a l'air chiant comme la pluie. Franchement... C'est ça les jeux Sony alors? Bah, je vais pas acheter une PS5. Hein. T'as besoin de conseils, tu me demandes. Ah bah... Tu connais bien le jeu? Ça vas-y, ouais. Hop. Alors. Du coup. Vas-y. Je peux le fouiller, toi je peux te fouiller aussi. Et est-ce que... J'ai pas vu un sanglier quelque part? Ah, j'entends un sanglier par contre. Hein. Ah non, c'est pas les sangliers, c'est les... C'est des brutes. Mais par contre, il y avait un sanglier par... Oh là là, il y a des sangliers partout. Parce qu'il me faut une peau de sanglier. Ouais, là par exemple, il y a marqué que la ressource est courant. Ça veut dire que ça trappe sur les agneaux qui courent. Ah, c'est malin. Hein? Ah, dit derrière le... Quoi? Dommage. Dommage, dommage. Il y en a un autre. Voilà, il y en a un là. Ah mais ça veut pas me filer de la peau de sanglier là. Elle est bien fraîche. Tiens. Ah par contre voilà, les trucs des oies, voilà, bah voilà. Une peau d'oie par contre j'ai un. Hein. Alors que je m'en fous quoi. On est le petit renard là. Hop. Renardo. Oh je m'en veux. Oh je m'en veux. Vous avez vu le petit renard là? Il a mis sa petite tête comme ça, toute mignonne. Et moi je lui ai claqué une flèche dedans quoi. C'est vraiment pas sympa hein. C'est même carrément dégueulasse. Hein. J'ouvre le feu de camp. J'en suis où en termes de progression, tiens? Progression dans le jeu. 82,82. Alors ça? Alors ça, fallait le faire. Hein. Oui, mais je veux me téléporter. Pour aller chez les dents de scie. Je vais me mettre là, comme ça en plus c'est bien, et je vais peut-être trouver des pauvres renards. Renardo DiCaprio. Ouais, comme l'acteur qui, malgré le fait qu'il vieillisse, cherche toujours des meufs de 25 ans. Le même. J'allais dire c'est quoi le bruit, mais oui, non, c'est... Alors est-ce que j'aurais pas un petit un sanglier s'il y en a un là, mais bon allez, dents de scie.
Let's go to the Dead Sea. Regardez, c'est trop mignon, le Dead Sea il boit à la source. Hop. Ah mais merde, faut que je fasse péter. Merde. Ah, il met vite. Voilà. Hop là. J'ai eu mon troisième trophée. Parfait. Petit sanglier. Oui, petit sanglier là-bas. Let's go. C'est un peu le signe que t'as réussi dans la vie. Il faut surtout... Attends, il fait surtout des tours sur lui-même là. Mais est-ce que c'est... ce sont des robots qui boivent... Alors ce sont des robots qui mangent... qui convertissent la biomasse en énergie. Pour se répliquer. Toi tu n'étais pas là à l'avant-dernière vidéo. À l'avant-dernier stream tu n'étais pas là. Je le sais. Puisque tout a été expliqué. En fait quand ils ont créé les robots, quand les humains ont créé les robots, c'était un moyen voilà, en cas de catastrophe que les robots puissent survivre. Donc ils ont un moyen de convertir la biomasse en ressources pour se répliquer. Mais du coup quand c'est parti en couille, et bah... Oh 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 oh. Évidemment j'ai pas de place. Ah évidemment j'ai pas de place, hein. C'était assez évident que j'allais pas avoir de place. Au moment où le truc que je cherche là depuis des plombes, j'allais l'avoir. There is no place in my inventaire. Et donc, capacité de... Ah non, c'est pas ça. Une peau de raton. Pour ça. Est-ce que j'ai pas un petit raton dans le coin là? Ça c'est des renardos. Ah, raton ça. Yes. Merde, il s'en va du coup. Allez. Évidemment, pas le bon truc. C'est dur, mais j'ai l'habitude. Petit raton, petit raton. Encore loupé. Malheureusement. Coucou Gigit. Une boule pour... Attends, les robots font caca dans cet univers en résumé. Eh bien peut-être, on n'a pas encore vu c'est vrai, mais il est probable quoi. Il est probable qu'il fasse caca. Le village. Alors du coup c'était quoi? Attendez, le feu de camp. Pourquoi j'avais besoin de sanglier? C'est peut-être pour une arme. La peau de sanglier, c'est peut-être pour une arme. Je suis pas sûr, mais...
tondeuse de machine l'en a. Mais Nico qui arrive. Ah ouais, cool. Oh, ça me fatigue. Cool, cool, cool. Qu'est-ce que vous avez prévu? La seule justice. Ah oui, non, mais ça, c'est celles qui vont que des merdes. Ah, regardez ça. Un panier. Qu'est-ce que tu veux que j'achète un panier? J'ai rien à manger, je pensais aller au SH pour le club sandwich, je voudrais. Est-ce que je voudrais quoi? Tu m'en ramènes un ou venir avec vous? Si tu as besoin d'aide, va voir ailleurs. Je t'y garde. Tu vas trouver quelque chose d'intéressant. Alors. C'était pour ça en fait. C'était pour avoir ce truc. Nice. Eh bien, je l'ai. Ce qui a dû m'ouvrir du coup les didacticiels pour cette arme, maintenant. C'est vrai qu'il y a des didacticiels que j'ai pas fait encore. Et les tenues, il me manque une tenue aussi, je crois, non? Ah non, il me manque pas de tenue. Donc les tenues, j'ai tout. Il me manque vraiment que... Plutôt viendre et manger sur place, non? Dans la 7, c'est plus sympa. Ah oui, non mais... écoute, pourquoi pas. Pourquoi pas, ça dépend à quelle heure... bah ouais, si j'attends mon stream, là j'ai commencé à 10h. 11h30... À 13h en plus, ça correspondrait pile poil en plus. Non, non mais je veux bien... Non mais venir avec vous pour en plus voir Nico, ça... J'aimerais bien, donc tuer des ennemis humains. Avec des carreaux... Ah non mais merde, faut tuer des humains. Tuer des machines avec des bombes de proximité. Tuer plusieurs ennemis avec une seule bombe explosive. Alors ça j'ai pas encore fait. Hein. Ah, est-ce que je peux pas faire au stand de chasse le premier ça? Parce qu'ils sont assez faiblards, et ça se trouve, ça marche. J'ai rien prévu, je peux pas, pas la force, ouais non je comprends. Non, non mais je viendrai bien avec vous en fait, hein, ça me branche bien. Donc ça sera pas une journée complète de stream les enfants. Hein. Les piétineurs, crashers, et brise rock. Brise rock c'est un peu gros quoi mais... artisanat... Ah bah oui, bah forcément, bah oui. Ah bah il va falloir que j'augmente ma sacoche pour ça aussi. Oh, des rats, quoi. Donc des os de rats et des os de raton. Évidemment. Bah ok, bah écoute, je te fais signe quand on arrive. Bah parfait. Parfait. Bah préviens-moi un peu avant. Histoire que je coupe pas le stream de manière crado, quoi. Si j'y suis encore. Des os de ratons. Oui, il y a des ratons laveurs. Il y a des ratous. Il y a des ratous et des ratons. Il y aurait peut-être des rats en ville, là. Genre, ce serait une ville où il n'y aurait pas de rats. C'est qui, lui? Ah oui, non, c'est le... Oui, c'est le mec plein de thunes, ça. Ça, c'est le mec plein de thunes. Et du coup... Ah oui, bah oui, faut que je retourne... Oui, bah oui, non, le truc de... La partie de chasse, là. Des ratons. Donc du rat et du raton laveur. Putain, cette endurance quand même. Je croyais t'avoir dit de fermer ta gueule. Fait au faucon soleil du pavillon. 3 dents de scie, 2 ravageurs. Et un tracker pour l'ambiance. J'imagine que Talana t'a donné un coup de main. Non. Je les ai abattus, toutes seules. Tu les acceptes? D'accord, très bien. Je les accepte. Mais dis à Talana qu'elle devrait cesser de jouer avec la racaille si elle veut s'offrir rouge mort. C'est... de... Il parle de qui, là?
Il parle de qui le connard? Quand je lui donnais mes trophées, Aziz a dit que tu devrais passer plus de temps à chercher Rougemort au lieu de m'aider. Ce crétin n'a pas tort. Mais c'est pas le moment de chercher Rougemort. Je veux que tu m'aides pour autre chose. Yes. Ah. Et qu'est-ce que ça peut bien être? Suis-moi dehors. Tu veux? Qu'est-ce que je... Oui, je vais quand même changer mon ma tenue. Parce que là, j'avais mis la tenue... Carja lourd, mais... Je suis à moitié Walp. J'avais quoi avant? Ça me protège du froid. Ah, au sérum lourd. Ça me protège ouais, des armes de G. Là, ça me protège de l'électricité. C'est du bleu. Pourquoi j'ai du bleu là-dedans? Attendez, du coup, on va faire un peu d'artisanat. Ça me protège du feu, électricité. Carja. Attendez, je vais enlever ce qu'il y a dedans. Hop, hop, et on va voir si je peux pas mettre des trucs mieux. Anti-attaque à distance et anti-feu. Anti-attaque à distance. Anti-attaque de mêlée. Et anti-électricité. Anti-feu. Anti-électricité. Anti-corruption, anti-attaque de mêlée. Et discrétion. Discrétion. Attaque à ta distance. Et anti-attaque de mêlée. Vas-y, let's go. On va partir avec ça. Ah lui, c'est 3. Il y a 3 slots, lui. Offre peu de protection, mais entièrement personnalisable. Ah! Oh, ça peut être pas mal ça en fait. Hein. Celui-là peut être vraiment pas mal. Hein. Je vais tout enlever. Je vais tout enlever partout. Je suis en fou. Comme ça, j'aurai vraiment tous les trucs de dispo. Je vais vraiment pouvoir faire un vrai choix. Ok. Et donc lui. Bah c'est ça en fait, il a pas de il a pas de défense de base, mais derrière on met ce qu'on veut dedans quoi. Euh, 17 et 7 anti-feu. Ouais, ça c'est les mêmes. Donc on va mettre celui-là. Donc ça me protège des attaques à distance et anti-feu. Anti-attaque de mêlée, ce qui est vachement bien. Et anti-attaque de mêlée, anti-gel. On est pas mal. Ah non mais regarde, de lui c'est déjà de 30. Ah c'est 17. Y'en a pas un qui fait attaque, ouais non c'est ça. Celui-là de base déjà c'est en... Ouais non mais c'est pas mal quand même. Parce que là ça me rajoute un peu de gel, truc comme ça mais... Ouais finalement ça l'a mieux quoi. Anti-attaque à distance et anti-feu, c'est ce que j'avais mis. Et anti-attaque de mêlée et anti-gel je pense, parce qu'à chaque fois ce qui me fait chier c'est le gel surtout. Allez on repart là-dessus. On repart là-dessus, on est pas mal. Et du coup on va équiper ça, comment on équipe? Inventaire. Équipe-moi ça, merci. Merci le jeu. Alors genre, j'ai de nouveau des boîtes là. T'en fous. Ah j'ai plus de place. Le truc relou.
Donc rat et raton. Ok, j'ai consommé des ressources, c'est bien. Vas-y, je vais refaire de tout. Comme ça, ça va me bouffer des ressources. Ça va peut-être faire de la place dans mon inventaire. Ah, et corps de ligotage épaisse. Attends, un lot contient 6 ensembles de cordes de ligotage, entrave les machines pendant 90 secondes. Utilisa pour immobiliser temporairement une machine ou pour cibler facilement un composant particulier. Nécessite au moins des tirs que n'importe quelle autre corde utilisa pour immobiliser temporairement une machine. Ah ! Nécessite moins de tirs, ok. Bon, tout est plein. Mes ressources. Bah, je suis toujours à 120 sur 120, quoi. Bah ouais, j'ai des trucs, ça je peux virer. Hop, ça on décompose. Ça on décompose aussi. C'est bien, ça me fait un peu de place. Pas beaucoup, mais un peu. Et du coup, je peux prendre ça. Ok, voilà. Non, mais on arrive à faire des trucs, hein. On arrive à faire des trucs. Le crotal, faudra que je l'utilise pour faire les quêtes. Ah, j'ai l'armure antique aussi. Zone de chasse. Pourquoi elles sont pas terminées alors que j'ai tout fini? Je ne sais pas pourquoi c'est pas marqué que j'avais terminé. Tuer des ennemis humains, tirer des carreaux électriques sur les machines vulnérables. Piétineur, est-ce que je peux pas trouver des piétineurs quelque part? Et leur balancer des carreaux de gel sur les piétineurs. Bim 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 bim, ils vont et tout. Non. Piétineurs, ils sont là, non? Ouais, c'est ça. Donc là, j'ai des grands fronts à côté. Y'a pas un endroit où ils sont plus... Charognard, ravageur, piétineur... Ah, piétineur là. Hop là. Tac. Donc il va falloir que je... Faut que je leur balance quoi au piétineur là? Je sais déjà plus. Carreau de gel? Carreau d'électricité? Est-ce qu'il n'y a pas un animal que je chercherais là dans le coin? Dindono, non. Là c'est renard. Raton. Look. There is a raton. C'est du bleu. Enfin c'est du vert, ça m'intéresse pas. Ça va être du bleu qu'il me faut. Quand même prendre au cas où. Ah, je peux aller voir directement en fait, j'ai artisanat. Ah, c'est une peau de raton, hein. Et os de rat pour l'autre. Bon, ils sont où mes piétineurs là? Il faut que je leur balance. Faut que je leur balance quoi?
Des carreaux de gel. Carreaux de gel. Je saurais quoi en faire. Ils sont où ? Bah. Ils sont censés être là ? Je comprends pas. On sait jamais, ça peut servir. Lapin, lapin, lapin. Raton ? Non, renard. C'est chelou. Il va falloir que je trouve un autre endroit et que potentiellement des piétineurs quoi. Ah. En coureuse. Bah zut. Alors là. C'est bien la première fois où je vais à un endroit où ils disent il y a tel animal et finalement il n'y a pas quoi. Alors, lapinou, lapinou renard. C'est un piétineur ça, non? Bah voilà. Qu'est-ce que quoi? Oh là là! Oh, ils arrivent tous! Attendez. Non, c'est pas ça. Ça a pas marché. C'est bien des carreaux de gel hein. Pourquoi ça ne marche pas? Bien. Trop loin. Bien. Je suis ravi. Duke.
Et là, voilà. Ça c'est fait. Pas si compliqué finalement. T'as le bourrin, le vieux bourrin quoi. Les carreaux électriques sur les hautes pattes. Hop, on va essayer de se trouver un petit... on va essayer de se trouver un petit spot avec des hautes pattes. Pourquoi ça je l'ai pas débloqué? Ça c'est les piou-piou. Les piou-piou, les brouteurs. Putain, j'ai rien débloqué dans le coin là. Il y a forcément des trucs dans le coin là. Pourquoi j'ai rien débloqué? C'est ouf ça. Parce que là pourquoi il y aurait ça en haut? Ça me semble bizarre qu'il y ait quand même un truc en haut là, mais qu'il y a rien quoi. Mais je disais des hautes pattes. Mais les hautes pattes ils sont symbolisés comment? C'est les grands fronts. Les cornes filantes. Ah. En v'là là. Ça en est. Ça en est, c'est sûr. Mais. Est-ce que j'ai pas... Ah. Des hautes pattes. Parfait. Hop. Faudrait que je trouve des rats aussi. Des rats et des ratous. Et des ratons. Et des ratoutons. Oh, j'ai envie de faire pipi. On va faire le petit combat là, puis après on va aller faire pipi. Pas dit. Chargement le plus long du monde là. Ne la laissez pas profiter des ténèbres pour filer. Qui parle? Qui parle lui? Faut bien lui. Alors, les hautes pattes. Un renard, un sanglier. Là c'est full brouteur mais il y a un autre patte à côté, voilà. Donc on va essayer d'y aller en mode discret. Pour lui en mettre plein la tronche. Carreau électrique. Allez, deux. Bon bah on va le buter lui hein. Ok. Mais les autres ils sont où? J'en veux d'autres, moi. Ah. Renard. Renard. Encore renard. Non mais maintenant que je les cherche, en fait, il n'y en a plus. C'est un peu chiant ce jeu, en fait. On tombe sur des ennemis quand on veut jamais. Par contre, qu'on veut tomber dessus, impossible de les trouver, quoi. Est-ce que ce monde est sérieux? J'en aurais sûrement besoin. Bon, on va falloir qu'on trouve un autre spot. Là-bas, c'est quoi? Des coureuses. Raton! Ayafsine, raton.
Et du bleu. Ah là là, pas du bleu. Pourquoi le jeu? Pourquoi tu veux pas me filer le truc des ratons? Mais quand des ratons quoi? Ok, ça. C'est pareil, il y a forcément des trucs dans le fond là. Attendez, je vais au feu de camp quand même. Pourquoi il y aurait des zones comme ça dans le fond sans une petite quête ou sans un truc quoi? Ah par contre il y a des... Ah tiens il y a... Bah des hautes pattes c'est parfait. C'est exactement ce que je veux buter. Est-ce qu'il m'en reste beaucoup? Carreaux électriques. Je recharge. Ok. À côté, hein. Hop. Cours vite lui. Donc ça c'est parfait. C'est exactement ce que je voulais. Et là-bas il y avait des... Il y avait des êtres humains. Et j'ai un didacticiel sur le crotal. Tuer des ennemis humains avec les carreaux métalliques. On va se faire ça. Carreau métallique. Hop. Si je faisais de l'artisanat pour qu'il soit plus puissant mon truc. Parce que c'est bien mignon mais... Ah voilà, regardez. 45 de dégâts. Plus 12 déchirures. Oh là 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 là. Ça va leur faire mal. Hein. Ça va leur faire du bibi. Hein. Est-ce qu'on se mettrait pas du maniement? Maniement. Plus du dégât. Bon, il va faire un peu plus mal quoi. D'un coup il va faire mal quoi. Regardez, ils sont là, regardez. Les petits êtres humains là. Qu'on va tuer. Et de 1. Et de 2. C'est bien pour les dégâts de zone ça. Oh, c'est tellement bien. Ah, les dégâts de zone sur ce truc. Je suis trop chargé. Je suis assez impressionné en fait par la puissance du machin quoi.
Et donc une petite sauvegarde là. Un petit marchand pas loin. Est-ce qu'on a pas des petits animaux qu'on veut là? Là-bas c'est un dindono. Il est où mon marchand? Il est juste en face de moi et je le vois pas. Il est là. Ok, vendre. Qu'est-ce que je peux te vendre à toi? Ah, les trucs de rats, par contre j'en ai. On va te vendre ça. Coucou Genius, comment tu vas? On va essayer d'aller au bout pour voir s'il n'y a pas une quête ou un truc quoi. Je vais mettre ça de côté. Il y a du veilleur là-bas. Oh là là, il y a plein de veilleurs. Charognard, ça va, ça me pose pas trop de soucis. Merde! Comme je disais, hein, les charognards maintenant, c'est plus un problème. Moi ça va, écoute, ça va, ça va. Content d'être en week-end. Bon, y a pas des rats et des ratons là? Moi je veux des rats et des ratons. Non mais barre-toi dans Dono. Je... Ah bah non en fait y a rien en fait. Y a vraiment des zones en fait où y a que... Oh là y a un truc là. Ça me paraît vraiment tellement chelou quoi. Y a des zones en bord de carte comme ça où il se passe rien quoi. Quand même étrange. Donc on viendrait. Bon allez petite pause. Je vais me faire un petit pipi. Et je vous dis à tout de suite. Heureux avec un petit bout de chocolat. Merci 500 pour le follow, j'avais pas vu tout à l'heure. Parce que j'avais désactivé les alertes. À cause d'hier soir. Hein. Hier soir il y avait des bots. Donc merci, si tu n'es pas un bot, merci beaucoup pour le follow. Et si tu es un bot, pas merci. Voilà. Qu'est-ce qu'on faisait dans le jeu? Donc oui, alors les quêtes. Il y avait les didacticiels. Tuer des machines avec des bombes de proximité. Tuer plusieurs ennemis avec une seule bombe explosive. Comme ça, je sais où je peux aller pour ça. Enfin, je pense savoir où je peux aller pour ça. C'est au premier truc de chasse. Pourquoi le premier truc de chasse?
Il est là, hein. Ouais, il est là. C'est un camp. Ah, il est là, le truc de chasse. Et parce qu'il y a un pack de, d'animaux assez faibles là, hein, qui sont côte à côte, quoi. Et donc, est-ce que je peux pas les bombarder et du coup en buter plusieurs en même temps? Je pense que si. Si je suis assez rapide, ça devrait être bon. Vous voyez, il y a tout cela là. Il y a full brooter là. Je l'ai activé ou pas? Oui, je l'ai activé, donc c'est la fronde. Ouais, je peux augmenter les dégâts en plus, ouais. Si je fais de l'artisanat, que j'augmente les dégâts, il y a plus de... chances que je les éclate. Tac. Plus de dégâts, plus de dégâts. On est bien. Là, on va enlever les trucs qu'on avait ici. Où est-ce que j'ai mis du dégât? Ouais, dégâts et déchirant. Hein. On va le déplacer, on va le mettre là. Bah! Merci, ouais. Voilà, donc là on fait beaucoup plus de dégâts. Ouf, oui. Ah oui, oui, effectivement, ouais. Il est probable qu'on fasse un peu de dégâts avec. Mais je l'ai pas équipé. Faudrait vraiment qu'ils se mettent en... en troupeau. Mettez-vous en pack. Oh oui, on va parfait là. Avec ça. Oh, t'aimes tellement bien là. Faut qu'il reste comme ça. Bim. Oh, faut que je les suive parce que s'ils se mettent ensemble. C'est parfait. Ah! Il me saute dessus là. Non mais il y en a un qui boite là. Merde, ils m'ont vu. Bon, j'ai réussi ça. Enfin, j'ai réussi. J'en ai fait un. C'est quoi les autres? Tu veux des machines avec des bombes de proximité. Bombe collante. Bombe de proximité. On va l'avoir. De une.
Je pense que elle, on va l'avoir. Hein. Vu comment elle est faiblarde. Blard, blard. Merde. Merde. Mais pourquoi? Doucement, doucement. Pourquoi ça pète pas? Pourquoi ça pète pas? Quoi? Pas marché? Allô? Bah. Genre je lui ai claqué une bombe en plein sur la tête et genre ça fait rien quoi. Mais bah voilà. Merci. Ah c'est vrai que je peux les récupérer après. Celle qu'on foirait, je peux les récupérer. J'ai la compétence pour. Moi qui aime voyager léger. Bon, celui-là il est fait. Et il me reste le dernier là. Pourtant c'est niveau 8 celui-là. Où est-ce que je peux aller pour en tuer plusieurs comme ça? Où est-ce que je peux aller pour en tuer plusieurs? Parce qu'il faut des animaux assez faiblards quand même. Là c'est quoi? Galopeur. Petit galopeur. Là il y a d'autres brouteurs. À la limite. Là, je vais aller aux autres brouteurs et on va bien voir si je peux les avoir ou pas. Comme ça on aura fini tous les didacticiels. Ce serait une bonne chose de fait. Hein. Ouais, faut que je fasse gaffe si j'ai pas des ratons par hasard dans le coin. Non, pas de ratons. Déjà ce qu'on va faire c'est que l'éveilleur. Ah, je l'ai pas eu. Restons discrets. Ça, restons discrets. En butant tout le monde. Il se vénère comme ça lui. Va rejoindre tes potes là. Attendez, on va faire un truc. Voilà, c'est bon. Elle est venue me charger là. Ah voilà. Mettez-vous en groupe.
Yes. Ah mais tu es plusieurs ennemis, mais ça peut être deux en fait. Aïe. Viens. Viens petit. Je sais pas pourquoi j'étais persuadé que c'était 3. Aïe, ouf, ouf. Oh là, je me suis pris un bon coup dans le dos là. Va rejoindre ton copain là. Regarde. Venez tous les deux. Là. Là, venez. Toi aussi, viens t'énerver là. Tu vas mourir. Bon, non, pas avec des. Avec les ennemis les plus simples quand même du jeu quoi. Ça serait un peu con. Allez. Allez. Approche-toi ton pote là. Merde. Mais non, mais ils le font exprès. Non mais regarde. Non 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 non, retourne à côté de ton pote. Mais c'est pas vrai. Allez, là. Je peux m'en sortir. Ça va voir ton pote là. Regarde. Non, ton pote. Par là-bas. Mais il se fout de moi. Mais non mais. Est-ce que j'ai bien progressé? Ouais ouais bah oui. Ça y est, maintenant qu'il est vénère, il va me suivre, non? Allez, tabasse-moi! Allez, viens me tabasser! Oh non, l'autre s'est barré quoi. Ils veulent pas, hein. C'est fou ces ennemis qui veulent pas mourir. Hein. On va aller où? Est-ce que si on retourne au pavillon de chasse? Vous pensez qu'ils sont revenus en masse? Ce sont des herbivores qui fuient. Non mais je sais bien. Mais des fois ils sont quand ils sont en mode rouge, ils sont vénères et du coup ils fuient pas. Je vais peut-être recréer parce que s'il faut que j'en balance plusieurs, je vais être dégoûté. Oh là là. Quelle chiasserie. Je vais faire profil bas. Et voilà. Et ben merci pour le didacticiel. Et donc je les ai tous faits. Hop. Ils sont tous finis. Tous. Trop bien. Tiens du coup Johanna, est-ce que tu sais pourquoi les zones de chasse? Alors regarde, tu regardes les zones de chasse, j'ai tout fait. J'ai tout fait, j'ai eu les soleils merveilleux là. Et pourtant, tu vois, là, ils se mettent toujours, en fait, ils sont toujours actifs. As-tu terminé la suite des quêtes du pavillon? Je parle pas des zones, je suis en cours. Je suis en cours, justement. Là, faut que j'aille aider Machine. Tu vois, faut que j'aille suivre Talana. Donc là, je vais aller... mais je voulais terminer, mais... D'abord, je voulais terminer, justement, les dernières quêtes que j'avais, là. Moi.
compétences. J'en ai gagné une. Ce qui m'aide pas. Donc là, du coup, je vais aller retrouver Talana. Hop. C'est parti. As-tu rendu les soleils à l'entrée du pavillon de chasse? Bah oui. Bah oui, vu que j'ai eu les armes. Je sais pas si t'as fait gaffe, mais j'ai les armes du pavillon de chasse. Tu veux aider? Cette personne en a besoin. Dis-lui tout, il s'a dit. J'habite à Sémaphore, au nord-est d'ici. Je me suis enfui de justesse. Les étincelles attaquent tous ceux qui en sortent. On a si peu d'éclat. Tu nous aideras? On ne sait pas vers qui se tourner. Parfois, les membres reçoivent une prime pour une chasse. Celle-ci était pour Aziz, mais il n'en a pas voulu. Ça ne payait pas assez. Quelle générosité! Avant, j'aurais demandé à Tarkas de gérer ça. Ça te dit qu'on s'en occupe ensemble? Je te retrouve à Sémaphore. Yeah! T'es partante ou pas? D'accord. Je te rejoins là-bas dès que possible. Ça va être tout de suite, hein, parce que... Je pense que j'ai un peu tout débloqué. Bah voilà. Ça se trouve, j'ai déjà buté les... Ça se trouve, les Ozio. Ça se trouve, les Ozio, je les ai déjà butés en plus. Ça m'est déjà arrivé, hein. Enfin, je trouve les chargements longs aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Ce sont des quêtes répétables, donc elles se complètent pas. Ah non, en effet. Alors évidemment, je vais m'en prendre plein la tronche comme d'habitude. Voilà. Voilà, comme d'habitude, les étincelles. Hein. Mais non, mais... Ah oui, j'allais dire, elle est pas morte, ça m'étonnait. Attendez, il y a un truc que je peux faire. Ouais, non, mais c'est trop tard. J'aurais dû choisir avant. Et voilà, comme d'hab. Voilà, regardez ça. Ça va pas être merveilleux. Hop là. En voilà d'autres. Bah ouais, mais j'en ai piraté. Oh non. Ah, elle tombe sur le toit, c'est dégueulasse. Déjà que je galère à les pirater, quoi, donc Allez, pirate-moi ça. On est bon? Non? Allô? On me dit pas qu'il faut vraiment les buter, quoi.
Que si je juge les pirates, ça marche pas. Répéter pour tenir les boîtes de butin récompense. D'accord, ok. Je viens de comprendre en fait ce que t'avais dit tout à l'heure. Ouais, non, faut vraiment les tuer quoi. Ouais, voilà. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas quand on les pirate. J'aurais tenté. Hein. Je crois qu'on en a terminé. Mais il en viendra d'autres. Les soldats de la garde du Levant n'essaient même plus de les combattre. Elles doivent être attirées par les cadavres que j'ai vus en amont. Je dois y retourner, mais s'il en vient d'autres... Je m'occupe du village. Toi, vas-y. Tu ne voulais pas qu'on gère ça ensemble ? T'as pas besoin qu'on te tienne la main. C'est bien. Ah, compris. Le soleil nous a montré la voie. Ouais, ouais, tout ça. Ouais. Trouver la cause quoi. Ok, faut j'aille là-bas quoi. D'accord. Mais ouais, non, mais les câbles, justement j'ai eu l'idée des câbles et puis en fait fallait retourner dans le menu, fallait que je change l'arme et tout. Et donc, du coup ça m'a saoulé, je l'ai pas fait. Oui, je suis une grosse feignasse. Attendez. Est-ce qu'il n'y a pas des ratons et des rats? Raton et rat, raton et rat, raton et rat, non. Pas de ratons et de rats. Les rats, je sais où il y en a. En plus, j'ai mes batteries là. Il y en a dans les ruines, je pourrais aller dans les ruines quoi. C'est vrai que ça serait pas déconnant d'aller dans les ruines. Encore des étincelles. Ah oui, c'est là où il y avait le charnier, tiens. Eh merde. Et flûte. Merde. Compliqué, hein. Eh oh. On est hop. Pris cher, non? Alors... Il y a des carcasses de carapateurs partout. Pas étonnant que les étincelles soient attirées ici. Ces panneaux concentrent le tir sur la cible et rendent toute riposte impossible. C'est de la triche. Et surtout du gâchis. Celui qui a fait ça a dû laisser des traces depuis les panneaux. Les amateurs laissent des traces faciles à suivre.
Alors j'étais déjà venu ici, mais dans l'autre sens. J'étais arrivé par le haut et j'avais commencé à regarder des trucs. Aloy qui est bloqué par un caillou. Il y a un caillou, elle fait « Ah non, il y a un caillou, je ne peux plus avancer !» Déconne pas Aloy, hein, t'as quand même fait des trucs plus durs que ça, plutôt que de passer par-dessus un caillou. Hein. C'est sûrement les chasseurs de carapateurs. Ah, d'accord, c'est des gentils. Je viens au nom du village près d'ici. Votre charnier leur cause des problèmes avec les étincelles. Ouais, bah c'est pas les seuls à avoir des problèmes. Si on trouve pas de cœur de carapateur pour payer nos dettes, on perdra tout. J'en ai plein, moi. Je ne comprends pas. Il a fallu que j'emprunte pour acheter des graines. La récolte a foiré et là, ils réclament leurs éclats. On va perdre la ferme, la maison. Je suis désolé pour vous, mais les étincelles attaquent des gens à cause de ce que vous faites ici. C'est pas mon problème. Personne ne partira d'ici tant que moi, j'aurai pas ce qu'il me faut. Personne ? Tu croyais quand même pas qu'on était que deux, hein ? Tu en as déjà un ? Tu m'impressionnes. C'est parfait. Ah ? Quoi ? Voilà, le cœur promis. J'ai rien promis du tout. Maintenant, tenez votre promesse. J'ai qu'une parole. Je vais pouvoir régler ma dette. On reviendra pas. Bien. Il y a intérêt. Et je lui ai filé direct, alors ça se trouve, je voulais le garder. Aloy. Hein ? Bah. Genre, elle m'a suivi, elle. Laisse-moi te féliciter. Je voulais être sûr que tu sais te défendre. Tu m'observais depuis le début ? Bien sûr. Tarkas, que le soleil l'illumine, m'a appris beaucoup. Et notamment, qu'un faucon n'abandonne jamais sa grive. Hein ? Qu'est-ce que tu... Je veux te parrainer pour le pavillon. Ah, elle est gentille. Ça te dit de chasser des machines, gagner des trophées et évincer Aziz ? Super. Je te rejoins au pavillon dès que je peux, alors. Ah, il va falloir que je rebute un million de... Il va falloir que je rebute un million de... De trucs différents. Ouais, je comprends Johanna pourquoi tu me disais d'y aller au début en fait. Voilà, j'aurais peut-être dû. On va aller faire ça. Il est où le bunker ? Le bunker. Est-ce que je lui ai pris son... Bah non, j'ai pas pris l'échantillon gratuit chez lui. Je savais pas encore. Allez, et puis on va se faire une petite pause. YouTube, je vous dis des bisous. À plus tard. Et puis on va continuer après, on retourne dans le bunker, on va aller déposer les batteries. Et puis on va bien voir si on peut continuer à retourner, enfin, retourner au pavillon des chasseurs et voir ce que notre faucon nous propose. Allez, à tout de suite, des bisous.